les anges du tombeau. Dès que vous entrez dans votre tombe, la tombe vous serrera. Avant de commencer, partagez la vidéo à d'autres personnes. Si une personne la regarde, grâce à vous, vous aurez une bonne action et qu'Allah vous récompense pour ça. Cette pression pourrait être un câlin de bienvenue à la maison. Ou cela pourrait être une pression qui briserait tous les os de votre corps, mais elle vous serrerait. Qu'Allah nous facilite la tâche. La tombe est sombre, très sombre, et tu as peur. Et à ce moment-là, les deux créations les plus laides d'Allah, appelées Munkar et Nakir, entreront dans votre tombe. Ils vont vous asseoir. Allah les avait créés sous une forme très effrayante. Lorsqu'ils vous assoiront, vous sentirez votre cœur s'emballer, car vous serez terrifiés. Et avec leur voix comme le tonnerre et leurs yeux comme l'éclair, ils te demanderont « Qui est ton Seigneur ? À qui vous êtes-vous soumis ?» Le croyant dira « Mon Seigneur est Allah ». Ils demanderont « Quel est votre mode de vie ?» Le croyant dira « Mon mode de vie est l'islam, c'est la soumission à Allah. Et que dis-tu de l'homme qui t'a été envoyé ?» Vous direz qu'il est Mohammed, que la paix soit sur lui. Et ils diront « Tu as dit la vérité ». Et ils ordonneront d'élargir la tombe. Et cette tombe se transformera en jardin paradisiaque. D'un autre côté, ils vous feront asseoir. Ils poseront les mêmes questions. La personne ne pourra pas répondre. Ils diront « Je ne sais pas. Quel est ton mode de vie ?»« Je ne sais pas. » Et l'ange dira « Tu ne sais rien. » Et ils ordonneront que la tombe devienne une fosse de feu de l'enfer. Et la tombe commencera à brûler jusqu'au jour du jugement. C'est la fin de cet épisode. Abonnez-vous pour plus de contenu.